Une cérémonie de présentation du projet Racine à ses partenaires par Gilgal SARL, une entreprise de production et de distribution de produits agroalimentaires, s'est tenue à son siège 6 à Yopougon-Selmer, immeuble ciblé non loin de la mairie centrale. C'est son directeur général, M. Paul Bowie, qui a dit le mot de bienvenue à ses invités, à qui il a présenté la vision de son entreprise. Gilgal, c'est une entreprise agro-industrielle. Voilà, qui a pour ambition de sécuriser la Côte d'Ivoire sur le plan alimentaire. Pour nous, quelle que soit la formation d'un individu, il peut intervenir dans le développement de l'agriculture. Ce qui est vrai pour nous et ce à quoi nous croyons, c'est que le développement est possible par l'agriculture. Et je voulais que les uns et les autres retiennent ça, que le développement, il est possible par l'agriculture. Le développement, il est possible par l'agriculture. C'est pourquoi, quand nous allons entrer dans le fin fond de ce que nous allons vous présenter, vous allez vous rendre compte qu'au sein des Gilgal, il y a toutes sortes de qualifications. Vous allez trouver des webmasters, vous allez trouver des journalistes, vous allez trouver des comptables, vous allez trouver des techniciens, ingénieurs rural, tout ça, vous allez les trouver dedans. Parce que pour nous, il est important que toutes ces formations, toutes ces qualités se réunissent pour apporter un plus au monde agricole. Donc la question que les uns et les autres pourront poser, c'est de demander, mais l'agriculture, ce n'est pas Abidjan, c'est au champ. Ok, mais nous voulons rassurer les uns et les autres que nous sommes déjà au champ, dans des villages, et certainement, il y a certains, pendant la présentation, il y a des gens qui se présenteront pour confirmer que nous sommes déjà dans des villages. Là où nous parlons, nous avons même un représentant dans un village, nous sommes en train de travailler. Ensuite, il s'en est suivi la projection d'un petit film documentaire sur les activités de Gilgal. La présentation vidéo commentée a permis aux invités de découvrir les actions et les études qui ont été menées sur le terrain dans un village pilote situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, appelé Souample. Enfin, la présentation du projet Racine suivi d'une séance de questions-réponses. Cette présentation faite à partir d'un diaporama a été très appréciée par les invités. On peut retenir que le projet Racine, qui signifie réseau agricole de communication, d'information et de négoce pour une économie solidaire, est une plateforme de développement intégré des villages de Côte d'Ivoire qui s'appuie sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour créer un pont virtuel entre les villages et les bailleurs de fonds. Cette plateforme privilégie l'utilisation de solutions écologiques, c'est-à-dire économiques et écologiques, dans la réalisation des projets, avec l'utilisation de l'énergie solaire, la construction en géobéton amélioré, etc. Elle suit une démarche qualité depuis la conception des projets jusqu'au suivi évaluation à travers un mécanisme transparent qui garantit la bonne utilisation des fonds obtenus. C'est une plateforme opérationnelle qui a déjà élaboré des projets clés en main et identifié des sources de financement multiples. Elle garantit la pérennisation des projets communautaires par le couplage avec des activités génératrices de revenus comme la production du riz, la transformation et le transport des produits agricoles. La plateforme Racine offre de façon certaine à tous les villages souscripteurs un site web pour la recherche de partenaires et la promotion des produits. Elle permet d'établir des jumelages avec des communes rurales de la Chine. Enfin, elle offre aux villages de Côte d'Ivoire un accès aux différentes sources de financement. D'abord, je remercie Ivoire TV et aujourd'hui, nous avons présenté le projet Racine. Il s'agissait d'un projet de développement intégré des villages de Côte d'Ivoire. Le but, c'est de permettre à chaque village de Côte d'Ivoire d'avoir accès à d'intégrer un réseau dans lequel ils ont droit à un site internet et ils ont droit également à une plateforme de financement de projets. Donc Gilgal s'est engagé dans cette voie et aujourd'hui essaye de promouvoir cette plateforme. Le Club Ami de la Chine. Voilà, c'est une association internationale qui est née pour renforcer et redynamiser la coopération sino-africaine.
Et nous sommes dans ce sens pour vraiment favoriser le partenariat gagnant-gagnant. Vous savez, la Chine aujourd'hui, le modèle de développement de la Chine est adapté aux pays africains. La Chine, c'est 1 milliard, plus de 400 millions d'habitants. La Chine, avec tout ce milliard d'habitants, réussit à manger et à donner aussi au reste du monde. Nous pensons que les peuples africains doivent imiter le modèle chinois. Ben, Gilgal rentre un peu dans la vision du club ami de la Chine, développer les villages, faire de nos parents villageois des personnes vraiment à l'heure du développement. Et je pense que c'est aussi la vision du club ami de la Chine. C'est pourquoi ce partenariat Gilgal-club ami de la Chine s'est noué et nous allons aller très loin dans ce partenariat. Alors, je voulais remercier Ivoi TV pour l'opportunité qu'elle nous offre de pouvoir nous exprimer. Et par rapport à cette journée, alors je voulais dire que c'est une satisfaction réelle parce que tous ceux qui ont été conviés sont venus. La plateforme a été présentée. Donc c'est une plateforme de développement intégré que nous proposons au village. Et donc l'appel que nous voulons lancer, c'est à tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont à l'Hexagone, qui voudraient participer au développement de leur village. C'est une plateforme que nous leur proposons et qui leur permettra de participer au développement de leur village. Pour ce qui est de cette journée, nous sommes heureux parce que tous les intervenants ont apprécié et ils ont montré leur intérêt. Et parce qu'une chose est sûre, c'est que nous voulons tous le développement. Alors, la plateforme que nous proposons, c'est développer par l'agriculture. Je vous remercie.